J'ai un cadeau pour toi, je te trouvais très belle. Regarde, je l'ai dessiné pour toi. T'aimes pas? T'aimes pas mon cadeau? T'aimes pas mon cadeau? Mais non, c'est triste. Ils sont fous. J'ai fait le Oh, s'il cadeau, vous plaît, t'aimes arrêtez-le, pas? arrêtez-le. Laissez-les sortir, ils sont tous fous. Voilà. J'ai fait le cadeau, s'il te plaît. Bonne Je nuit. croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Pourquoi en fait aujourd'hui vous avez envie de parler de choses qui sont graves et Oui. imiter des gens qui sont vraiment malades? Vas-y, arrête de faire des trucs comme ça, s'il te plaît. Tiens. Oui, il est comme ça, il est vraiment, on l'a jamais vu. Bon, fais attention, la personne juste avant, là, je viens pour te dire qu'elle était en train de se masturber. Ah, bah, Je la connais, on l'a déjà vu sur d'autres lives, donc je sais pas si t'as remarqué. il y en a beaucoup. Non, elle était en train de se masturber. Pas Tristan, Si, si. il était en train de Si, si, fumer si, il était en train de se son toucher. Et pétard. en fait, sa spécialité, c'est qu'en gros, pendant qu'il te regardait, tu vois, il t'a montré un sachet de bonbons. Oui. Bah, il rajoute du goût dans ses bonbons. Bah, je te laisse imaginer lequel. C'est-à-dire qu'en fait, sa semence, là, il les trempe dedans, en fait, juste après, derrière. Mais n'importe quoi, mais ça va. Si. Non, non, il l'a T'as déjà fait sur un craqué, live. Nicolas. Non, 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 il l'a fait sur une autre live. Enfin, sur un autre live, je te Qu'est-ce mens que pas. t'as pris comme substance ce soir? J'ai pris aucune substance. Ouais, je suis peace and love, c'est ça, mais je fume pas de cigarette qui fait rire. Bon, rire, quoi. D'accord. Donc en gros, il trempe ses colas dans sa semence, et ensuite, après, derrière, après la fin, là maintenant, il est en train de déguster maintenant. Voilà, c'est une simple mise en garde. Bah, tu verras, il va revenir pour. Parce que là, il est à court de bonbons, mais je crois qu'il y a des arlequins qui attendent derrière. Fais attention à toi. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, on l'a déjà vu sur. Bonsoir, Salut entre le Jérôme. maître Bréchat, je travaille pour le cabinet de Julien Courbet et en effet, je viens confirmer ce que vient de dire le jeune homme avant moi. Il y a des gros problèmes sur ce site, on est en train de faire une plainte commune avec pas mal de participantes sur le vous. Et en effet, il y a quelques personnes qui sont connues de nos services pour utiliser ce qu'on appelle du GHB, hein, plus communément la drogue du violeur. Et ils passent sur tous les lives, ils se masturbent, ils se touchent, donc je serai vous, je ferai très attention. Et en effet, le jeune homme avant moi, même s'il a l'air un petit peu cocasse et un petit peu coquin, il vous dit la vérité et il est très bienveillant. Merci Jérôme, Je vous en prie. mais Maître Bréchat, je J'ai travaille pour le l'impression que cabinet là, de Julien. Pardon? mon live est un vrai sketch. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon live est un sketch. Bah, ça arrive beaucoup, ça arrive beaucoup. Hein. Je travaille pour le cabinet de Julien Courbet et en effet, c'est récurrent sur. Alors, c'est des gens qui viennent de Chaturbat, je sais pas si vous connaissez. Chaturbat. Mais faites très attention à vous parce que ça peut déraper. Bah, attends, ça fait plus d'un an et demi que je. Enfin, ça va faire 2 ans que je suis sur l'application. Je sais comment ça se passe, quoi. Bah, c'est quelque chose de très nouveau, hein. C'est un phénomène qu'on a récupéré. Moi, je suis mandaté par l'OVU pour prévenir. Elle a 43 ans. T'es mort. Mandaté. Oh. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce rire, les gars? Le rire de Mais ça l'enfer. arrive à combien les mecs là? Quoi, c'est pas une otarie? Elle filme des gitanes sans filtre? Non, mais non plus. Salut Xavier. Salut Jean. Bah non. Salut, tu peux calmer de ta cousine qui te sert de phoque, s'il te plaît? Ta gueule. Bah ouais. Ta gueule. Non mais elle vous lit. Ah les bâtards! Salive. Moi au début j'ai vu la photo, je me suis dit non, c'est un compte fake en fait, non! Je savais qu'elle allait mourir derrière. Et en fait c'est la même tête, je suis mort! Salut! Salut, ça Ouais, va toi? le rebeu là, fais attention à lui, il charrot que des mineurs. Donc je sais pas si t'es au courant, Quel il se donne une rebeu! image sur l'OVO, mais c'est un vrai perv. Mais quel rebeu tu me parles? Mais là, l'autre Majin Vegeta là, il se prend pour. À ton avis, hein, pourquoi il s'appelle Vegeta? C'est parce qu'il regarde des hentai. C'est du porno dessin animé japonais. Il adore ça. Mais On connaît des je rebeux le qui sont connais, fans je de le ça. connais, Vegeta, c'est quoi le Mais tu problème? le connais pas! Arrête de dire des conneries aussi! Si je te dis qu'il a déjà fait sur un autre live! Écoute-moi aussi, ouais, Enlève Santa ton Cruz, là! masque, enlève ton masque, s'il te plaît, déjà. Quel masque? De Quel quel masque? masque tu parles? On dirait que t'as un masque, là. Mais j'ai pas de masque, c'est mon vrai visage! Montre ton visage, alors! T'es sérieuse, là? Tu me parles sur un Mais autre pourquoi compte? tu Tu vas t'énerves? en Tu mode vas sur mon bienveillant? live, tu viens t'énerver. Mais je m'énerve pas! Déjà. J'étais en train de te dire un truc et tu ne crois pas! pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, à t'énerver pour rien là derrière un Parce écran? que je suis là pour Qu'est-ce qui t'aider revient là? et tu m'écoutes pas! Si je te dis que ce mec-là, c'est un pervers narcissique, bah vas-y, prends-le, tu vas voir.
Vas-y, explique-toi, Majid. Végéta, là. Parce que je vais en faire flotter de la babouche. Si tu continues, là. Vas-y, parle-lui, parle-lui. Putain, c'est ouf, quoi. Je suis là pour t'aider. Et c'est comme ça que tu me parles. On sait très bien que tu sers des mineurs, gros malade. Voilà. J'ai reçu une requête en concernant Végéta 5132 pour des règles non respectées. Sur les... Donc Végéta, je t'invite à me répondre en MP. Sinon, ton compte risque d'être désactivé parce qu'apparemment, tu dragrais des mineurs sur l'application. Nous avons les backups avec les logs, donc nous allons vérifier ça. Et autre chose pour toi, je vois que tu montres seulement la moitié de ton visage. Quand tu as créé ton compte Lovoo et que tu as lu les termes d'utilisation, les TOS, normalement, tu dois montrer ton visage entier. Tu n'as pas le droit de montrer la moitié de ton visage ou de montrer un mur, quelque chose comme ça. Contre, ça, c'est vrai, ça. Donc je vous laisse sur ce. J'ai d'autres requêtes à répondre. Tu parles de qui, de moi? Oui, je parle de toi. Hein. Quand tu as créé ton compte, normalement, tu as lu les TOS, donc les termes d'utilisation. Mais c'est un peu normal si les gens ils viennent sur le live des personnes et qu'ils se branlent en caméra. Je suis désolé, j'ai plus envie de montrer mon visage entier. Mais ils vont se débranler. On essaie de nettoyer au maximum. On est en confinement, donc c'est un peu compliqué. On est en télétravail. Hein. Moi, c'est pareil, on va plus au bureau là-bas. Donc c'est un peu compliqué. On essaie de faire le ménage. Il y a aussi des problèmes avec certaines personnes, des détracteurs, des gens. Il y a des enquêtes, des plaintes par rapport à une personne sur YouTube, apparemment. Donc c'est assez compliqué pour l'instant. Donc voilà, sur ce je vais te laisser, j'ai d'autres requêtes à gérer, là c'est un peu le bazar. J'ai à droite sur l'écran, j'en ai plein qui s'affichent, je dois te laisser, désolé. Il est trop et fort. Et vous venez d'où? Il est trop fort, putain, ça a marché, elle a montré son visage et tout. Salut perso, comment ça va? Ah bah arrêtez avec vos embrouilles, ça s'arrête plus là. Mais elle a un petit charme les gars, bonsoir, non? T'inquiète pas, et toi? Bonsoir, moi y a pas d'embrouille, ça va la forme et toi? Ça va. Très bien, alors c'était juste pour te prévenir, il a vraiment bien raison. Il y en a plusieurs qui se sont fait ban récemment pour montrer leur demi-face, alors que ceux qui se branlent, eux, ils sont dans le règlement, clairement. Tant que la poutre n'est pas apparente, ils ont le droit effectivement de se branler. Ils sont dans leur droit, par contre toi, tu es hors TOS, hors règlement, et tu peux te faire bannir ton compte, voilà. Donc je tiens juste à confirmer ce que disait l'avant-dernier, voilà. Ouais, non, mais c'est pas normal qu'ils se branlent en caméra, et toi, tu montes juste la moitié de ton visage. Il y en a, ils montent les murs, hein. Il y en a, ils se montrent même pas, ils montent juste des flammes. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est sérieux, il est en train de se branler, s'il te plaît, les gars. Bonsoir, perso. Vous m'entendez ou pas? Vous me tuez ce soir, les mecs. Ah, oh, ça me dégoûte. Allô. Oh, vous me tuez, allô. Ça va? Oui, bonsoir, Maître Brécha, je travaille pour Lovoo, je suis mandaté par Lovoo. Et en effet, je tiens à confirmer tout ce qui a été dit par le staff tout à l'heure concernant l'utilisateur Majin Végéta avec son adresse pointer78hotmail.fr. En effet, je peux vous envoyer toutes les captures après, c'est suivi par l'huissier. Donc faites très attention à cette personne-là et je pense qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Donc là, il est là, il par essaie contre, de... lui d'avant toi, là, c'est normal, là, qu'il se branle en caméra, là? Non, par contre, on va agir avec... Non, on va agir complètement pour ça, c'est tout à fait anormal, les personnes qui se masturbe, on n'est pas là pour ça. Ne vous inquiétez pas, ça on va s'en occuper, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, Majin Végéta, je pense qu'il serait temps qu'il se calme s'il ne veut pas que ça aille plus loin en justice. Et attention, parce que vous pouvez être complice. Ah ouais, à ce point-là. Oui, bien sûr. Le staff qui est passé tout à l'heure, on vous enverra les MP, les messages privés avec toutes les captures et tout, les dédos et compagnie. Et voilà, faites très attention à vous, prenez soin de vous. Et Majin Végéta, je serai vous, je tenterai la rédemption avant que les choses soient trop graves pour vous. Merci Jérôme. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh merci Plagrin. Moi, ce que je drague que des darons. Moi. À la base, je baisse que des mamans. Moi, je baisse pas des gamines. Moi, je suis pas un pointu comme vous. Ouais, voilà, si tu veux, si vous voulez. Le mec, est-ce qu'il se montre déjà? Hein? Quand vous voyez parler, le mec, est-ce qu'il se montre? Allez, moi, je me montre. Bon, je me montre. Hein? Et déjà, deux. Est-ce que vous avez l'adresse email? Sors-moi l'adresse email. Comme ça, je te sors mon adresse email, moi, de tout ça là. Vous êtes si intelligents. On est en train de me filmer, soi-disant là. Mais c'est des fils de pute, regarde, c'est ce que je te dis. C'est des fils de pute. Mollo sur les insultes. Ça, c'est des gens pour monter la tête, bande de fils de pute. Moi, je vous baise. Venez, vous êtes des hommes, venez. Je vous attends, je vous baise. C'est un malade. Bah alors comment on se retrouve? En plus, je regardais son profil. Je suis en diffusion là, je suis en direct. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, bah là j'ai quelques personnes. Attends, je m'entendais en double. J'ai quelques filles là qui me détraquent, tu verras, elles vont passer sur ton chat, elles vont commencer à s'énerver contre moi en disant ouais, ils diffusent, ils vont te monter. Ouais, parce qu'elles ont pas le sens de l'humour, tu vois. Elles font leur business et j'ai plus de vues qu'elles et du coup elles ont un peu le seum. Ouais, elles ont pas de second degré comme toi, tu vois, etc. Mais faut savoir rigoler. Exactement, je peux comprendre qu'on n'ait pas d'humour, mais de là à réagir et venir sur tous les lives là où je vais,
et à rager et à retourner la tête des gens contre moi. Ouais, ouais, elles font ça. Oh, ouais. Bonsoir. Du coup, bonsoir. C'est le Lovu. Donc, comme tu peux voir, je suis staff. J'ai les petits badges certifiés sur le pseudo de chaque côté. On fait un tour sur les lives ce soir parce que bon, on est en télétravail avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et on fait un petit message sur les lives ce soir. Donc, pour les personnes, comme tu vois, qui ne montrent pas leur visage, hein, écran noir, n'hésite pas à les signaler. Ils ne respectent pas. Ah, bah, pas j'en ai viré là depuis tout à l'heure. Je vire là. Non, ce qu'il faut faire, c'est que tu reportes. Nous, après, on reçoit les requêtes. On a les logs en backup avec les visios. C'est sur un serveur, ça reste 30 jours et on peut les ban. Ça c'est pas le problème. Et autrement, donc j'ai vu la personne d'avant, apparemment elle parlait qu'elle était en live ou je ne sais quoi. Alors petit message pour les gens de Lovu, ce qui est très important, tous ceux qui sont en live sur Lovu, quand vous acceptez les CGU, donc les termes d'utilisation, il faut savoir que vous êtes en Mondiovision, ce qui veut dire que les images, vous les accordez à Lovu et tout le monde peut les récupérer, les réutiliser. Donc du coup, les gens qui nous font des requêtes pour dire oui, j'ai été mis sur YouTube, machin, tout ça, il faut savoir que sur Lovu, vous donnez votre droit à l'image. Alors tant que c'est pas à des fins marketing pour des marques, utiliser des produits, vous ne pouvez pas porter plainte et revenir vers nous. Si, moi je le sais, ça, ouais. Non, mais tu le sais, mais il y a des gens qui n'arrêtent pas de spammer nos boîtes mail en nous disant oui, j'apparais sur des vidéos YouTube, je veux pas, machin. Alors la meilleure façon, c'est vous allez voir la personne qui a cette chaîne YouTube ou le streamer et vous tout simplement vous essayez de négocier avec lui pour lui demander gentiment. Poliment et peut-être qu'il retirera ça. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est tellement ça. Salut. C'est vraiment la meilleure. Salut. Bonsoir Kalash Didi, bonsoir. Écoute, ça fait énormément bien d'avoir quelqu'un de bienveillant comme toi avec un sourire incroyable. Tu es ravissante, tu es sublime, je te souhaite tout le bonheur du monde. Il n'y a que des femmes insupportables sur ce réseau qui n'ont aucun sens de l'humour. Elles se prennent au sérieux alors qu'elles sont coiffeuses chez Cheap. Elles grattent le RSA et elles vendent leur 1. Toi, tu es formidable, tu es rayonnante, tu es brillante et je te remercie au nom de toute la communauté. Je te fais un énorme bisou, plein d'amicalité. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, on invente des mots. Passe une énorme... Je sais pas quoi dire, tu me débordes d'émotion. Voilà. Attends, bouge pas deux secondes. Ah, tu vas pas t'en aller comme ça, comme un voleur. Oh, et le match. Voilà. Et le match. Tu vas pas bouger comme ça. Non, mais je veux pas te déranger. Je veux pas te déranger, mais tu réchauffes mon âme. Tu me déranges pas du tout. Ça fait plaisir. Sache que ton sourire et ta bonne humeur est très rare de nos jours et c'est très agréable et très apprécié. Wesh. Oui, mais j'ai pas compris le match. Je voulais t'insulter et tout, mais t'es trop gentil en fait. Donc il y a moyen qu'on se fasse l'amour ou un truc, on se capte. Vas-y bébé, moi je suis chaud. Hein. En plus j'aime bien les gros fiacs. Vas-y, je t'attends moi. J'ai bien un chapeau. Salut, j'ai bien un chapeau. Je vais te liker. T'es la meilleure, Kalash Didi, reste comme tu es. Merci. On t'aide. Allez, bisous. Hein. Salut Kalash, comment tu vas? Oh, salut toi. Je suis content de te voir. Elle me reconnaît. Je t'ai reconnu. Où est toi? Ça va, merci, tranquille. Merci. Attends, je vais te liker, attends. L'administrateur qui est passé en second. Oui. Ouais, je l'ai contacté parce qu'en fait, j'ai eu quelques problèmes, j'ai eu quelques soucis sur l'appli. Ah mince. Ouais, ouais, même si je suis en live, tu le sais, j'aime bien me tripoter en public, en fait. C'est mon petit péché mignon, tu le sais. Mais je sais parce que je m'en rappelle très très bien, j'ai pas oublié. C'est ça, tu te rappelles. Ben du coup, maintenant, je demande, en fait. C'est-à-dire que j'ai contacté l'administrateur, il m'a dit, écoute, tant que c'est pas apparent, et tant que tu leur demandes la permission, t'auras pas de soucis. Non, moi ça va, enfin j'ai pas fait de trucs bizarres, hein. Je faisais que rigoler. mais c'est pour ça. Et pour ça, justement, maintenant je te demande l'autorisation, est-ce que je peux me taper une petite seg ou pas? Bon, vas-y, écoute, vas-y. Tu peux? Vas-y. Ouais. Mais non. Oh, attends, je vais m'allonger alors. Mais c'est un grand mal. Tu peux en montrer un peu plus, s'il te plaît? Ah, il n'y a pas de soucis, vas-y, je peux monter là. Wesh! Alors, bah, venez dans le chat. Quel kiff. Je vous en prie, venez. Tu vois pas quel kiff. Ah, t'es qui, toi, Romain, là? T'as qui, pour niquer l'ambiance? De m'imaginer, quand même. Ah, de quoi? L'autorisation de genre, il a le droit. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Oh, tranquille.
Tranquille, c'est ambiancé. C'est ambiancé. T'as raté, toi. Non, elle est pas tout seul du tout. Ah, c'est Lodi, d'accord. Ouais, c'est elle, c'est elle. Wesh. BKO. Oui. Tranquille ou quoi? Oui, toi. Dis quoi? BKO. Bah, rien, je suis là, je m'amuse. Ah, je vous dis dans la partie dansée tout à l'heure. Voilà, je te baisse ta mère, sale pute. Va niquer ta mère, espèce de salope. Je te traîne sur 10 mètres, salope. Je te baisse ta race, espèce de petite pute. Oh! Oh! Oh!